Terminons cette édition dans le petit village de Fontaine-sur-Somme, à la rencontre de Margot Gambier, une jeune femme en fauteuil roulant en raison d'une maladie génétique. Dans son livre, elle raconte avec humour ses mésaventures du quotidien liées à son handicap. À 26 ans, Margot Gambier est une femme bien dans sa peau. Pourtant née avec une maladie génétique qui l'oblige à se déplacer principalement en fauteuil roulant, la jeune femme en a fait une force. Bien décidée à ne pas se laisser enfermer par son handicap, l'écriture lui a permis de s'accepter comme elle est. Ça marche. J'ai toujours été entourée de plein de livres. Forcément, ça aide à découvrir la lecture assez tôt et à aimer ça. Et je pense du coup que mon handicap a beaucoup influencé sur mon rapport à la lecture. Parce que quand on est petit, qu'on ne peut pas courir, jouer, sauter, ou même dans les cours de récré, tout le monde joue au foot ou attrape-trappe. Bon, moi, j'étais plutôt dans mon coin avec mon livre. Dans son dernier livre, Chronique d'un monde handicapé, Margot se livre pour la première fois. Des anecdotes liées à son quotidien en fauteuil roulant qu'elle compile depuis son adolescence, avec un seul mot d'ordre, l'humour. Je suis arrivée un matin au lycée, j'avais cours à l'étage et on avait des codes pour prendre les ascenseurs, même si le code n'avait pas été changé depuis des années, tout le monde le connaissait. Et ce jour-là, ils avaient décidé de le changer, mais je ne le savais pas. Je vais à l'accueil pour demander le nouveau code. Et là, la dame me dit que c'est pas possible, qu'elle peut pas me le donner parce qu'elle a eu ordre de ne pas le donner aux élèves. Je lui ai dit que oui, mais dans mon cas, moi, c'est un petit peu différent. Et elle a vraiment eu du mal à me le donner. Au final, elle me l'a chuchoté dans l'oreille alors qu'on n'était que deux dans le bureau. Et elle avait très peur que quelqu'un déboule et dise « Non, il ne faut pas lui donner ». Et en racontant ça, en rentrant chez moi, ma mère m'a dit « Non, mais ça, c'est très drôle, il faut vraiment que tu le notes et que tu notes un peu toutes ces petites choses qui arrivent ». Et donc, c'est ce que j'ai fait, du coup, depuis ce jour-là. Optimisme et résilience, voici ce qui définit le mieux Margot. Une force de caractère qu'elle doit à son entourage. J'ai de la chance d'avoir grandi dans une famille qui m'a montré que l'humour était vraiment la clé et qu'en fait on pouvait prendre le parti de rire de tout et que c'était même parfois nécessaire d'en rire parce que nos vies ne sont pas tristes, hein, on ne passe pas nos jours à pleurer sur notre sort. Dédramatiser sa situation avec légèreté comme le seul moyen de changer les mentalités. En fait, c'est plutôt le monde autour de nous qui nous rappelle tout le temps qu'on est handicapé. Et moi, généralement, non, je ne me sens pas spécialement handicapée, je suis juste un peu différente, c'est tout. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivie. Retrouvez nos reportages sur hdf.france3.fr. À très bientôt.